monde, c'était Camon. Je suis en multi sur Civilization 5 avec mon ami Nice. Bonsoir Nice. Salut. Et oui, et on se retrouve pour l'épisode 25, c'est notre session spéciale Civ ce soir. Et j'ai vu que les Aztèques commençaient à coloniser un peu trop, vers chez toi près d'Italie, chez moi du côté de l'Irlande. Donc on va commencer à se fâcher, je prépare une armée. Ah, et on va ça. On va donc on a un raisonnement très logique et très pacifique, c'est Aztèques, être pas là où nous voulons, voilà. Donc nous taper, voilà. L'objectif en faisant la guerre, c'est de piquer la capitale Tenochtitlan. Si on veut vraiment se fâcher avec tout le monde, il faudrait raser toutes les villes, mais si on veut pas, on devrait laisser une ville tranquille, ce serait Tlaxcala. Tlaxcala quoi? Parce qu'on aura du bellicisme, enfin on verra si on l'a, j'ai pas fait attention avant. Mais je comprends plus rien à ce que tu dis depuis 3 minutes du c'est coup. Vrai. Non, je disais que quand on va faire la guerre. J'ai pas tout capté. Mais... Alors, tu as du bellicisme quand tu attaques des villes, d'accord? C'est-à-dire que les autres te regardent de travers. Oui. Et si tu prends toutes les villes. Donc, faut les dénoncer déjà, voilà, ce que j'ai compris. Il va falloir qu'on commence par dénoncer. On peut maintenant, tiens. J'y vais. C'est ce que j'ai compris. Pardon. Ça, c'est bien, tu l'as retenu. En échange, non, c'est pas là, donc c'est en discussion. Bon, bah, je te préviens. Ah, mais il est enthousiaste. Eh bah, moi, je te dénonce. Voilà. Clac. Quoi, tu me dénonces? Ah merde, non, c'est Aztèques, merde. Décision imbécile. Et moi aussi, j'ai été dénoncé, du coup. Bah oui, on est ensemble. On est ensemble. Et du coup, fallait les dénoncer? Oui, pour avoir moins de malus de bellicisme, en fait. Attends, discuter, dénoncer publiquement Moctezuma. Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Vas-y, si tu veux encore. Les gens seront pas surpris si on fait une guerre avec eux, après. Double dénonciation. Ouais. Et je passe mon tour. Allez, on est chaud, c'est parti. Ouais. Bon ben, du coup, je monte toutes mes troupes vers Novgorod. Ouais. Ou Yaroslav, ça dépend comment je... Non, je pense que Novgorod parce que j'ai pas envie d'énerver les Chinois et les Japonais. Hein. On se calme. Ouais. Et moi, il va vraiment falloir que j'envoie des troupes parce que j'ai rien. J'ai un fantassin, un canon. Ok. Bon, ça va être le boulot de la partie. Hein. En même temps, des parties en science sur de l'archéologie pour faire un peu plus de culture. C'est moi qui vais choper le Louvre. On s'est mis qu'à... d'accord, parce que moi je suis à quoi? Plus 72 par tour de culture, et toi tu es à 100. C'est ça. Et même que honneur, prochain tour, je peux le terminer complètement comme filière. Alors, j'ai perdu mon âge d'or. Ah oui, du coup, comme j'aurais terminé tout l'honneur, bah, je gagnerais de l'or en tuant des gens. Du coup, ça sera cool. Ah ouais. Ça, c'était très violent comme phrase quand même. J'ai encore pas capté. Je suis sûr que j'ai pas capté. Non, j'ai juste fait une phrase très violente en disant que je vais faire tout l'honneur et du coup, bah, en les tapant, je vais gagner leur argent. Et clairement. Voilà. Ouais, mais ça, c'est ce qui s'appelle du racket. Et oui, les enfants. Ah. Excusez-moi. J'admire parce que moi, je fais pas d'efforts et toi, tu en fais tout le temps. Non, c'est bien si tu veux ça. Ah ouais, ah ouais. Bah, je suis flatté hein, parce que moi, c'est dans ma tête, je suis juste en train de fondre alors. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on continue, hein. Il faut que je fasse de la richesse. Je remonte toutes mes unités, du coup. Je laisse juste deux spadassins et un canon. Et deux généraux. Bon, tu vois, j'ai remis à niveau, personnellement, moi, avec mon âge d'or, j'ai remis à niveau toutes mes troupes. Mes canons, mes bateaux. J'ai dépensé plus de 1000 pièces d'or. L'âge d'or est fini, il me reste encore 600 dans les caisses, à peu près. Et je ne perds que 2 par tour. Ah ouais. Donc j'ai bien fait de bourriner et de monter tout à jour. Et moi, je gagne 32 sans âge d'or. Du coup, en âge d'or, ça doit être le feu, quand même. J'avais l'impression que Edimbourg était attaqué. Non, ils ont un... ils sont pas contents, Edimbourg. Pourquoi? En colère. Ils sont peut-être alliés, non? Avec personne. Bon, je sais pas. Je ne sais pas. Donc toi, t'es en train de ramener, oui, voilà, ton armée à la frontière est des Aztèques. Et moi, je vais attrouper. Oh non, mais arrête, quoi. Deuxième île en Angleterre. Bon, du coup, je fais la mission commerciale, je vais gagner 500 d'argent. Même si ça aurait été plus rentable de... Ouais, non, c'est plus rentable les 5 par tour, je trouve. Ouais. Ouais, mais c'est long. Il me chauffe. En vrai, en prenant de l'or tout de suite, je suis à 1200 d'or. Mais 500 d'or en plus. Ouais. Ça me fera 1700. J'ai tout en main pour devenir un gros truc. Le nouveau Trump. Oh, wow, wow, tu te calmes, hein. Enfin, en même temps, lui, il est endetté à mort. Hein. Il dit pas tout... Ouais. Bon, mais je sais pas si je dois prendre ça comme une insulte ou une très très grosse insulte. Mais alors, tu vois que les Aztèques, j'hésite. Est-ce que je fais coloniser la Corse, enfin la Sardaigne? Mais toi, tu voulais l'Italie, hein, de toute façon. Ouais, je te pique l'Italie. Juste pour la forme. Bah, l'Italie, tu peux pas. Ou alors, faut que tu fasses un colon sur l'île de Méditerranée, là, la Sardaigne.
C'est la plus grosse que la Corse. Comme ça, tu pourras Ouais. coloniser tranquillement, mais quel exclave, ouais, voilà. Bah, je touche pas par là, d'accord. Donc, du coup, je peux pas faire plus de villes pour l'instant en Europe. Bah, je vais aller en Islande. J'ai envoyé Mais un en fait, ce colon. que je vais faire, je pense que je prendrai Calixtala Ouais. Ukka, Texcoco et Tlatelolco. Tu vois, les trois. Ouais, Loco, Lolco. Oh, bref. Olé. Les trois qui sont au bord, là, si Ouais. je vais y arriver. Les trois qui sont au bord. En plus, comme ça, j'aurai une frontière en plus contre la Chine. Et Clairement. je pourrais te laisser le reste, là, pour te faire une grosse base ici. Bah moi je vais capturer Tlacopan, Xochicalco je le rase en Irlande. Et on peut même garder Édimbourg, hein, si on Ouais, veut. ouais. Non, c'est bien. Édimbourg. Edinburgh. Je Wow. passe mon tour, je t'attends mon gars. Oui, oui, Ah, ils sont le oui, 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 conquérant! oui, Conquérant oui. de l'univers! Attends, c'était comment? Ouais, Je chante faux, hein, mais je réfléchis à un dessin animé. c'est ça. Jace, conquérant de l'univers, avec les monstres aux plantes. T'as pas connu Oh ça? mon Dieu. Super chanson. Ouais. Ça bouge doucement les canons, hein. Alors attends, mon marchand, faut qu'il fasse sa douane, Tu un l'as truc à la encore? fois. Tu l'as encore ton marchand? Non, j'hallucine. Ben, j'ai hésité, je me suis dit je vais l'envoyer pour gagner 500 d'argent, mais non en fait, parce que j'ai 1200 du coup. Je préfère gagner 5 par tour, tu vois, j'ai Ouais, rien à perdre. sur le long terme, c'est bien. Enfin, une unité en attente de je sais pas trop quoi. Pourquoi? Moi, je Oh réfléchis, je là fais la là, ma prochaine ville. tête. Je comprends même plus pourquoi je fais des choses des fois. Attends, lui, il me dit quoi? Tour suivant, oui. Alors, 1, 2, 3. Mon Novgorod va redevenir un peu militaire. Hein? Je suis sur le territoire des Nimbours. Comment ça? Ah non, c'est toi. Oh là là. Ah non, c'est qu'Édimbourg, je crois, il s'est étendu. Et du coup, ben, je suis devenu un truc. Oh la blague. Oui, tu es sur cette terre, c'est pour ça qu'il est en colère, d'accord. Moi j'ai découvert la Nouvelle-Zélande, donc je suis proche de l'Australie. Je vais monter doucement dans les côtes. Parce qu'il y aura des barbares à l'Australie, par contre c'est bondé de barbares, hein, je te préviens. Ouais. Faudra y aller mollo. Bien, là un éclaireur, je sais pas ce qu'il fout bien. Mais... Ok, bah j'ai pas le choix, je perds de l'argent, qu'est-ce que je fais? Bah je vais faire de l'argent, je vais faire une banque. 19 tours, ça m'embête, punaise. Je dois choisir toute construction. Oh là là. Ouais, t'es perdu. Ah ouais, il y a trop de choses à faire maintenant. 19 tours, punaise, c'est pas normal. Un marché, tiens là. Ok, une découverte à Doka. Ouais. Ok, Edinburgh. Choisir une construction encore une fois. Mais un Novgorod, qu'est-ce que je vais faire? J'ai du 20. Alors je vais pas refaire une 8e caravelle, on va se calmer. Du vin et des épices. Je regarde un truc. Moi, j'ai le droit de construire des monastères. J'avais oublié ça. Alors j'ai peut-être un plan, à Novgorod je peux faire une écurie. Parce qu'en fait je l'avais jamais faite parce que j'utilise pas trop les chevaux. Ouais. Mais je pourrais peut-être faire après avec les plus 15% de production une petite unité montée en plus. Je pourrais faire le taf. Ok. Bon tiens, allez, encore un colisée dans l'Empire, c'est parti. Pour ton bonheur, tu remontes, oui. C'est pour ça que tu le fais. Attends, je suis à combien de colisées à faire en même temps là? Je suis en train de dépasser le record, je crois. Je suis à 1, 2, 3, 4, 4 colisées en même temps. Qui D'accord. peut faire mieux? Côté monnaie, n'oublie pas que les ports que tu construis dans les villes, ça rapporte de l'argent aussi. Ça se connecte à ta capitale. Les ports. Ouais, tu peux construire des ports. Ça rapporte des sous. C'est comme les marchés et les banques. En général, je fais un marché, puis un port, et après la banque qui est grosse à faire. Plus tard, on aura les bourses. Voilà, j'ai une chanson des visiteurs, bourse molle, bourse molle. Oh. C'est l'heure, hein, excusez-moi. Bon, comment Attends, ça? de quoi bourse? J'ai loupé un truc. Ouais, je pensais aux visiteurs. Et on lui pèlera le jonc. Oh, c'est dégueulasse. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu les visiteurs, moi. Je pense que ça vieillit bien, le premier en tout cas, le deuxième aussi. Ouais. Oui, le deuxième, c'est que c'est barbecue. Mais c'est seulement qui peut résumer. Ok, prochain tour, j'aurai un rempart à ma ville en Espagne, à Oxford. Bon, ça se précise, hein. J'ai deux navires de ligne, j'ai un fantassin qui arrive. C'est pas terrible, mais ça me suffit pour conquérir, je pense. Un canon.
Il m'aurait fallu d'autres fantassins, je suis. Ah, je crois que j'en faisais. Ah ouais, non, ça va être long, 5 tours. Punaise. Punaise. Je regarde si j'en achète, c'est combien? 500. Oh, c'est hors de prix. Au revoir. Bon, bah, je passe mon tour. Mmh. On va voir le format d'épisode si on fait encore 30 minutes ou un peu plus. Ça dépend ce qui va nous arriver, hein. Complètement. Okidoki. Tu moulines dans la gestion, tu veux un conseil? Je trouve que tu viens, moi. Ça va, là. Oh, tu fais tranquillement, je fais bouger les gens. Ouais, t'as plein de mines, c'est vrai. Là, je joue au Sims, ça, en gros, hein. Je fais bouger les gens, c'est tout. Bon, la Chine, t'embête pas, attends, ils ont encore des guerriers du premier âge antique. Oui, j'ai vu qu'ils avaient encore un guerrier, j'étais outré. Je crois quasiment les défoncer. Quoi, tu veux un arbalétrier bizarre, là? Un Shokonu. Ouais, c'est l'unité spéciale de la Chine. Il a réussi à en faire un. C'est pas mal. Mon éclaireur qui traîne dans la mer du Nord, d'accord. Bien, bon, bah mon fantassin, il va se rapprocher. Hein. Attends. Eh, hey, c'est un verlan, mais de cochonou. Cochonou, Shokonu. Oh, je suis... Bon, ok, je j'arrête là. J'ai découvert... La hein grande barrière de corail. Ah ouais. Elle fait deux cases. Attends, je me mets où? Parce que faut t'as plus de deux cases de la ville, on va rester là. Très bien. Il faut que je fasse de l'argent en priorité. Est-ce que j'ai de l'argent à faire à Londres? Non. On découvre dans combien de temps? Tiens d'ailleurs, dans 5 tours. Dans 5 tours. Donc j'ai le temps de me faire... Un arquebusier, on verra bien. Ici. Bon, je prends la vision. Okay. On avance les canons. Hop, on sait jamais. Allez, je me fais une armée, tant pis, on verra. Je perds 10 par tour. Moi, je suis en train de ramener toutes mes unités, là. Ouais. Mais vas-y, hein. Tu peux le voir là. Ça arrive, moi aussi, ça arrive tout doucement, mais. Ah, mon général, tiens, j'aimerais bien le ramener. Bon, ça se goupille. Ouais, même Singapour est un peu fâché. Oh, ouais. Bon, pareil, il a une tribu un peu antique. Tu peux améliorer ta trirème en bâtiment de guerre. Hein. Va sur ton territoire, ah ouais, tu regardes. Ah bah oui, carrément. Trirème, tu les améliores. Ah, bah, prochain tour, je fais ça alors. Ah, ouais. Et moi, ça me sert à rien depuis des lustres. Même tes spadassins à longue épée, tu peux pas les améliorer, il faudra faire des mousquetaires quoi. Et éliminer tes spadassins. Mmh. Ah, je peux pas pour l'instant. Mmh. Bah, et t'en as trop besoin, je sais. En temps de paix, ça se fait ça. Alors, surtout, colle pas la frontière, tu leur laisses une case de lit pour pas qu'ils se fâchent trop. Sauf si tu veux faire diversion à droite. Que je puisse bien m'occuper de l'Angleterre. Non, mais pour l'instant, je les rassemble et après, ouais. Je suis prêt. Bon, Oxford, ok. Et Liverpool, j'ai pas de rempart. Mais c'est pas grave pour l'instant. Ou pas. Ah. Tant pis, je dispense. Il me reste plus que 180 pièces d'or. Je suis tranquille 18 tours, après, je serai en faillite. On verra. J'ai acheté un rempart. J'ai 1288 d'argent, tu vois, c'est le retour. C'est bien. Pour de l'argent et de l'État. Tu veux quelques trucs? Pour l'instant non, je te frappe à ta porte si vraiment je suis dans la mouise. Ça peut remonter. Okay. En vrai, si je devais te rembourser toutes les fois que tu m'as donné de l'argent, il me resterait à peu près 400 là. Mais c'est des cadeaux, hein. Tu sais, tu gardes. Alors là, on est en coop, mon grand. Yes! Oui, attends. Alors. Hop. Tiens, ça bosse encore dans la jungle. Oh là là, ils sont courageux. Ils ont chié, mais ils sont courageux quand même. Tiens, un gros cadeau. Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh la blague. Oh, tu sais quoi? Je méprise. Oh, ça t'a pas pris 8 d'or quand même. Garde tes sous, je suis pas encore rendu à ce stade-là. Non, non, mais je suis pas inquiet hein, du tout, hein. J'ai déjà eu pire que ça. Oui, bah en plus, 8 d'or, voilà, c'est exceptionnel. Ah ouais, non, je reconnais bien ta générosité.
Ah, c'est cool, je pourrais peut-être m'installer en Islande, il n'y aura pas de... D'accord. Colline, peut-être se mettre là. Ah, j'ai senti un mouvement derrière moi, c'est le chat qui a sauté. Alors, le tour se passe tranquillement. Et nous, les amis, nous arrivons en Islande. Et j'ai Au final, on a fait 3 épisodes. Cette session-ci, ouais, c'est magnifique. Je viens de percuter. C'est pas évident d'avoir du temps tous les deux, mais quand on peut, on se fait plaisir. Ouais. Mon Dieu. Allez, on attend, on attend. Je veux me préparer, mais il me faudrait une infanterie de plus pour être tranquille. Là, je vais avoir chaud. J'espère qu'il y a des barbares. Je vais débarquer en Islande. Trop d'unités à bouger là. Alors? Ah, le copain de barbare, tiens. Ça remonte à l'autre. Tiens. Ah, oui, je suis bête. Caravelle, je veux tout le temps qu'on peut tirer avec le canon. Voilà. J'ai gagné de l'expérience. Cool. Le piqué, je peux rien faire, donc je te supprime. Et je garde. Hop. À York. Très bien. J'ai mon chat qui fait des bêtises, excuse-moi. Mais va-t'en de là. T'es gentil. Il adore le papier. Il va dans ma rame de papier. Je sais pas ce qu'il veut à chaque fois. besoin de sous, mais j'ai L'attaque pas. de la rame de papier. Yes. Bon bah du coup je vais construire une douane à l'autre bout du monde, tiens, j'avais envie. Bah ouais. Et je vais faire un truc de fou. Et je passe, c'est bon. Tu vas pouvoir y aller toi aussi si t'as des trucs ou... Comment je suis? Pourquoi ça va chauffer chez eux? D'ailleurs, la distance de tir. Ok. Ok. Je me mets en position. Je vais être méchant. Je vais essayer d'être méchant. J'ai pas assez encore de puissance, tiens, punaise. Il me faut mon général. Qu'est-ce qu'il fait là, cet ouvrier aussi? Eh, tu sais pourquoi je l'aurais jamais présenté le flanc à tir? Non. Parce que sinon il serait tir au flanc. Oh, bravo. J'ai bien aimé le. Tu l'as Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Tu l'as travaillé celle-là? Ah bah en fait, j'en ai pensé et j'étais tellement fatigué d'y penser que il a fait Je te demande pas de faire des blagounettes tout le temps, stresse pas. Ah ben en fait je ne stresse pas de faire des blagounettes, c'est que c'est tellement nul que je ne sais pas si c'est légal en fait. Écoute, je viens de décroiser un bateau du Siam en Australie et un bateau belge, Bruxelles. Ouais, ils sont jusque là-bas. Hein. Ouais. Bon. Attends, on est en 1700 après Jésus-Christ là, je commence à connaître un petit peu, c'est le 18e siècle. Ou le 16e, je sais plus. Attends. Le 18e. Je me mets en attente pour l'instant. Tant que ton armée n'est pas prête, je bouge pas, je fais pas le fou. Hop, j'ai fondé une ville en Islande. Ouais. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu me fournis plus d'épices. À qui? Et je fournis plus de vin, ok. Entre nous deux? À plein de gens, je ne sais même plus. Lyon réclame de la soie. Ok, qui donne de la soie? Les gars, donnez-moi de la soie! Japonais, on avait, je crois. Bon, on commence à deviner l'Australie. Japon! Eh oui, Japon, clairement. Donne-moi la soie et je te donne du vin! Ça fonctionne toujours. Voilà, ça fonctionne, c'est magique! Ah oui, donc il faut que je t'envoie des épices à toi. Ok. Ça va le bonheur chez toi? Oui, et ça va très bien. Même si je sais pas où il est, le bonheur. T'es à combien? T'es pas en positif là? Je suis à 4, mais je. Mais il est où le bonheur? Ah bref. Accepte mon accord. Accepte mon. Ouais, j'ai bien compris là. Alors, modifie l'accord. Est-ce que je te donne toujours du vin?
Si t'en as qu'un, non, garde-le, hein. Si t'en as un double, oui. Est-ce que tu as besoin de faire 4? Est-ce que tu as besoin de Schneval? C'est une ressource stratégique, non. Le pinard, si tu l'as en double, ouais, je veux bien. Ah non, mais j'ai du vin. J'ai du vin, j'ai pas besoin de vin. T'as que 196 d'or? Ouais. Bah, je perds moins 7 là maintenant, ça va mieux. Mmh. Ouais. Mais si t'as des trucs à améliorer, il te faut de l'argent, du coup, n'hésite. Ouais. Et j'ai rien donné pour l'instant. Allez, sois mignon, toi. Bah, je te passerai par la suite. Dès que j'ai redu 20, je te dis. Je t'entends, hein, t'inquiète pas, je parlais à mon chat encore. Qu'est-ce que j'ai fait là? Tu vas améliorer te proposer un truc. Tu vas améliorer ta trirème. Ah oui, là, c'est ça que je voulais faire. Ma trirème. Pourquoi tu m'envoies des épices? Hein, j'ai fait quelque chose? Qu'est-ce que ça passe? Non, je suis content. Oui, ta trirème en Méditerranée. Ça devient une frégate. 175 d'or, oui. Ouais, mais puissance de feu, c'est autre chose. Voilà. C'est joli. Et comme ça, tu pourras... Ah, c'est vrai que je suis riche. Ta frégate, tu peux la monter en mer du Nord avec moi si tu veux pour taper dessus. Hein. Ou tu peux la monter vers Calix. Je pense que je vais la monter vers toi. Non, parce vers Calix. Que... Hein. Regarde, tu montes entre l'Italie et puis la Grèce, là. Tu pourras bombarder la ville quand les troupes approcheront. Alors, regarde où j'ai mis mon éclaireur pour voir les troupes des... Ouais, c'est ce que je viens de voir. 2, 3, 4. Alors, le gars, les jaguars, il en a un. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait un rempart, c'est pas grave. On est bon. Très bien. Allez, vas-y. Vas-y qu'on déclare cette guerre. Passe ton tour, tu peux le faire. Alors, tu te calmes, je dois déplacer mon général. Calmement. Attends, je vais prendre mon petit chat dans les bras. Viens voir ton papa. Voilà. Je vais le détendre un peu. Un petit massage au crâne, un dans les oreilles. Voilà, ça va mieux, c'est dégueulasse. Tu veux pas dire bonjour au public? Dis bonjour aux abonnés, fais un petit ronron. T'es content? Non. Putaclic est... Oh là là. Ouais, je sais, j'arrête avec mon chat. Hop, t'as les mots qui font plaisir. Non, vous n'êtes pas sur la chaîne de Zerator. Continuez à me regarder. Oh. Ouh là là, ça lance ces trucs là. Non, mais il m'a scotché. Franchement, respect. Ah ouais? Oh, il me fait rire. Moi, j'aime beaucoup Zerator, j'ai regardé ses vidéos. Oui, il m'a scotché parce que je t'avais dit ou pas qu'il a fait un Let's Play Civilization une soirée. Oui, il en a fait un, mais j'ai pas regardé du coup parce que bah, il y a le tien. C'est assez fondard parce que chacun a son style et comme lui, il est un peu énergique ce garçon. C'est, par rapport à nous, on est relax, on peut plus. C'est assez fandard de voir comment il joue. Ouais. Et j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer où il surjoue beaucoup, tu sais, en mode. Il est fort parce qu'il faut tenir le rythme. Oui, c'est vraiment. Je n'ai qu'un fantassin, mais j'ai envie de jouer au con. Et moi, c'est la doctrine qui apparaît. C'est vrai. Est-ce qu'on déclare la guerre? On s'en fout. Et voilà, j'ai terminé l'honneur et donc je gagne de l'or quand je tue des gens. Ah bah, c'est bien. Je gagne de... Mais apparemment tout le monde s'en fout du coup. J'ai oublié un truc encore. Ah la vache, mais aidez-moi les abonnés. Dites-moi quand je te fais le clou. Qu'est-ce nice. Qu'il y a? Nice. Oui. Soyons fous. Qu'est-ce que tu fais? La guerre. La guerre. Et merde. Non? C'est pas la guerre. Allez, on s'en fout. On a fait une dénonciation. Mais c'est pas ma guerre. Je te jure. Pire qu'un gamin. Clairement, qu'est-ce que je fais? Putain, mais en plus, tu leur déclares la guerre quand il y a mon éclaireur va se faire... je dois pas dire saut... Non. Tu comprends ce que je veux dire, quoi. Ah, oh, je suis désolé. J'en avais marre de le voir. Et je refonde une ville. Mais arrêtez, t'es qu'à mon n'importe quoi. Attends, du coup, faut que je commence à attaquer. Moi, je suis pas prêt, là. Vous n'êtes pas prêts! Non. Faut que j'arrête de lancer des trucs en ce moment-là. Ah, mais j'ai bien Seigneur Zano, je suis fan. Ouais. Là, du coup, j'ai lancé un petit Illidan. D'ailleurs, il faudra que je vois si l'ombre du Mordor, le jeu d'action, là, est toujours en promo Steam ou pas. Ça pourrait être sympa, ça. D'ailleurs, dès que je repasse, je veux revoir ce Seigneur des Anneaux de type jeu de plateau. Ah ouais! Oui, on va le faire. Et oui, parce que. On un jour. On fait un jeu de bateau quand même, on fait pas que de l'ordi. Bon, écoute, je suis pas inquiet pour toi.
Bah, mon pauvre éclaireur là. Fuis, pauvre fou! Passe par Edimbourg. Hein. Par contre, ton bateau, tu le remontes avec tes troupes hein, pour bombarder Kelkstalker. Non, c'est bien, c'est bien. Je l'excite un peu là. Moi, je passe mon tour. Oh, le bateau, il a tellement plus de mouvement, c'est n'importe quoi! Ouais. Alors, je crois que nous sommes arrivés à 30 minutes, mais on s'en fout. On va se donner un petit rap de 10 minutes encore, voir ce qui se passe. Avec mon bateau en plus, je pourrais bien attaquer la ville. Ouais. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Parce que moi, j'étais en train de flâner, de bailler au corneille, comme on dit. Je surveille les Aztèques du coin de l'œil. Ça se dit encore bailler au corneille, mais... Ah oui, complètement. Évidemment. Bah, en tout cas, pas dans ma génération, du coup, je crois que je vais arrêter. Mais bah, tant que tu dépasses pas les 25 ans, tu crois que plus rien ne se dit. Mais une fois que tu arrives dans la zone tampon de 25 à 100 ans, tu vas voir que. Ok, elle est quand même grande ta zone. Hein. Ah ouais, elle est énorme. Elle est énorme. Il y a un mélange de tout. Alors. Bon, mais je suis. Alors mon marchand. C'est embêtant. Tu allez. Passes par une forêt. Par contre, les canons, ça va être chaud au début, mais il faut que ça. Tu vois où j'ai mis mon marchand? Oui. Ne me demande pas pourquoi. Pourquoi? T'es fou. Ben tu vois, là mon marchand, il va faire une douane ici. Si tu veux, ouais. Du coup, bah, les Aztèques vont se faire douaner la tronche. Tu sais que t'es pas obligé de faire une douane en frontière. Ouais, mais là, j'avais envie. Je sais pas, c'est écrit faites une douane ici. J'ai vu que c'était derrière une montagne, j'ai pas compris. Du coup, bah, j'ai vu que c'était. C'est très roleplay. C'est en frontière, tu poses une douane, je comprends. Vas-y. En fait, c'est surtout que j'ai pas compris pourquoi ils voulaient faire derrière une montagne et que c'était débile l'emplacement. Du coup, bah, ça m'a plu. 6 d'or quand même, tout le tour. Ah, et puis c'est joli, hein. C'est bien fait. Alors, du coup, j'ai créé une douane. Ah, mais... Voilà, attends. Je reviens sur la douane, du coup, attends, elle est là. Petit zoom. Ah, sympa. Ah oui, c'est quand même un bon petit domaine, quoi. Édimbourg a un allié. Édimbourg est allié aux Iroquois. Oh. Ouais. Et je te signale que t'as une trirème qui est en Espagne, tu pourras la mettre dans ma zone portuaire d'Oxford, tu pourras l'améliorer en bas. J'ai encore une trirème dans ma... Ah oui. Et elle pourra venir en renfort dans le nord, justement. Dans le Schnorr. Tu peux l'améliorer chez moi, je pense, non? Non. Tu pouvais pas? Non, c'est quand même, il y a une limite, je pense. Tu la ramènes chez toi? Attends. Il y a une petite limite, quand même. Bon, Matou, va au fauteuil, sois gentil. Putain, il a décidé, en épisode 3, je miaule et je griffe. Ouais. Bon, ben, j'attaque, moi. Hein. C'est vrai? Merci. Avec que deux canons, je m'en fous parce que j'ai un super bateau. Ouais. Ton général, n'oublie pas. Ouais. Très bien. Oui, mais ça va être le choc, mais il faut y arriver. Par contre, les canons dans la forêt pourront rien faire là. C'est vraiment ton bateau qui peut tirer sur. C'est l'heure du duel. Tu as apporté tir de Kalixtlaka, ton bateau. Ouais, mais je m'en fous. C'est vrai? Bon, d'accord. Je tue des gens, moi, c'est tout. Allez, campagne militaire. Je regarde chez moi. Zenescloud a prouvé que la Terre était ronde, j'ai pas compris. Non, c'est en fait Técamon a prouvé que la Terre était ronde, c'est moi qui ai fait le tour avec la caravelle. Ah, c'est ça. Eh oh, mélangeons pas les honneurs. Pourquoi ils ont mis Zenescloud à prouver? Parce qu'on joue en équipe, on partage nos noms, donc tu as eu aussi le haut fait, peut-être. Pfff, ouais. Éclaireur, okay. Ton éclaireur. Mais oui, ouais, il était là. J'ai pas fait gaffe. Mais il pouvait pas fuir, tu me l'as coincé. Oh la baston. Oh bravo! Ils sont beaux, leurs boucliers quand même. Ils se sont bien suicidés quoi. Ouais, ouais. Bon, du coup, ils attaquent le bateau, c'est normal, c'est ce qui était prévu. Ah oui, mais ils font rien. D'accord. Ouais, bon, on va être méchant. Hein. Coup, je gagne 50% de plus d'XP comme j'ai pris la dernière truc en honneur. Et en plus, je vais gagner de l'or. C'est trop bien. Donc, cette guerre va m'être 100% profitable. Totalement. Et j'ai Big Ben et Bou. Ah bravo. Je serais logique, oui, je raserais. C'est un terrain dégagé ici. Bon allez, toi tu vas être polyvalent, tu vas pas me les briser comme on dit. Toi tu l'as vraiment cet emplacement quand même. Hein. Alors qu'est-ce que je fais? Je la garde ou je la rase? J'aime bien l'Irlande. J'aime les Irlandais. J'annexe, il y aura une cité en Irlande. Parce que voilà. Irlandais. Ouais. J'ai dit que j'allais être méchant. Bon, c'est de la compote, hein, les Aztèques, hein, franchement.
Compote de pomme ou compote de poire? C'est la question. Brut de pomme. Ok, alors c'est parti. Très bien, mon canon. C'est l'heure du duel. Ouais. Je me pose, je mets... Ah, tu tapes chez toi, là? Ouais, j'ai tapé. Elle va tomber, la ville, elle a pas de rempart. Hein. Ça va y aller très rapidement. Je crois qu'on lui fout le bazar. Moi, j'attaque sur tous les fronts, hein. Je réfléchis même pas. Ouais, non, mais c'est bien, hein. C'est très bien. C'est très bien, Noé. Continue de tuer des gens. Alors, voilà, je vais faire une coupure montage, vous saurez pas pourquoi. Oh non! Si, tu l'as c'est... dit. T'es pas arrivé depuis l'épisode 3. Ah, c'est la joie, ça fait baver, c'est pour ça. Ça m'a beaucoup fait rire, moi, quand tu m'as dit c'est bien, j'étais là, bah oui. Ah oui, je garde notre vie privée le plus possible. Oh là là. Mais un jour, ils devront le savoir. Ah, à la limite. FAQ Técamon spécial, 80 000 abonnés. Pardon, je voulais dire 300 000. Non, je rase la ville d'Irlande. Oh, tu veux mettre une belle ville? Pour toi, ce sont pas des beaux... Non, mais c'est que, ouais, voilà. Complètement, je veux que Tlacopan. Ah okay. Oui, pour toi, les Aztèques, ça pue, quoi, genre... Non, c'est pour l'espace des cités, ça sert à rien d'avoir deux villes aussi proches à deux cases des cases. Ah, ok. C'est pas contre la cité, j'ai horreur de raser une ville, je le fais jamais. Mais là, c'est pas rentable. Il y a que de l'eau autour... Ouais. Autant qu'il y ait une seule ville prospère, quoi. Et laisser que l'Irlande et pour l'Angleterre, je sais pas. Non, je préfère centrer. Donc c'est bien, la guerre est commencée. Allez, je t'offre encore 5 minutes. Ok, c'est parti. 5 minutes de plaisir intense. Ouais, on va me gueuler. Alors. Why not? Allez, c'est parti. Ouais, prochain tour, je mets tout dans la tronche. Nouvel accord de recherche, c'est qui ça? Inca et Chine. Vous arrivez trop tard, les gars, votre ville elle va tomber là. Alors, tu peux taper au canon là, je pense, hein, d'abord. Puis tu vas bourriner. Non, oui. Voilà, j'ai tout tapé là. Ouais. Alors, la petite latence là. Alors. Allez, le tour commence. Je vais tuer des gens. Je me mets. Putain, mais la taille de l'Empire. Alors, l'archéologie qui est terminée. On tient, on peut terminer cet épisode. Tlacopan. Putain, ouais. Ce nom. C'est pas Tlacopan quand même. Et il a quand même 3 unités militaires sur l'île, très bien. Je suis loin. Ah bon, science militaire? Je le vois pas plus que ça. Bon, ok. Excuse-moi. Non, mais je comprends. Hein. Je suis en pleine guerre. Oh, les dégâts. Ah, moins 16. Ouais, c'est assez violent. Ça existe, ça? Non. Ah, oui, c'est la différence technologique là. C'est du bonheur. J'ai découvert. Bon, bah, moins 16, les gars. Ils morflent, hein. Tu vois qu'on est à 2 attaques à pied, mais c'est génial. Ah, mais ils sont sérieux, ils ont pas pété la vie. Oh, Boudiou. Tu la prends là. Il faut que tu te gardes un peu de force pour attaquer les unités. Même pas au bateau, mais ils se foutent de ma gueule. Alors le truc à savoir, c'est que Clarix Tlawaka va être fragile puisqu'il n'y a pas de rempart. Il faudra que tu poutes toutes les unités autour. Il faut que tu dégages ça au plus vite. Hein. Bon, je vais annexer la ville du coup. Ouais, je vois direct. Ça. Que 33 d'or, putain, et ça coûte. C'est vraiment caca. Hein. Ouais, il faut que tu dégages toutes ces unités d'infanterie là, les jaguars. Alors, production. C'est l'heure du duel. Bon, putain, c'est tellement fort les chevaliers contre eux. Ah bah oui, mais ils sont arriérés, hein. On s'en rend compte de ce côté-là technologique. Putain, moi j'étais tranquille en train de faire un morceau du générique de Yugi. T'as vu la claque qu'ils se prennent? Alors je t'ai promis, j'ai eu ce que je voulais, l'archéologie est finie. On fait Brandebourg, si tu veux, la porte de Brandebourg, militaire. Mm-hmm. Science militaire, voilà. Okay. Chercher le mot. Oui. Oh là là. Pour l'instant, ne rien faire.
n'ont rien fait. Ah, mais si, j'aurais bien voulu faire un truc. Mince, prochain tour. Ce serait encore Londres. Misère, j'aurais bien voulu une autre ville. Ouais, ce sera Londres. Allez, prochain tour. On va encore avoir droit à un tour parce que je vais faire une merveille. Puis on va pouvoir arrêter là. Si tu es d'accord. Épisode à rallonge, mais qu'est-ce qu'on se marre? Ouais. Cet épisode, quoi. Ouais. Donc là, du coup, maintenant que t'es bon, donc t'es éliminé des unités, tu vas te monter vers Tex Coco, c'est ça? Ouais, là, je vais te taper du monsieur. Ah ouais, mais c'est génial. Vas-y, bombarde-moi avec des flèches, tu vas rien te dire. Je vais voir chez toi comment ça se passe. Ah bah, il fuit. Oh, le cadeau. Un jaguar dans l'eau. Tu le pilonnes au bateau. Ah oui, je vois ça. Canon, bateau. Peut-être qu'au bateau... Ah, les bateaux, c'est hyper vulnérable contre mon gros bateau, là. Ah bah oui, c'est juste une troupe qui traverse, donc... Ah, mais arrête de me bouger! Sydney, hein, c'est pas ma faute. Je m'y retrouve plus, là, en bassin méditerranéen. D'ailleurs, t'as vu, Sydney est en Australie, quand même, ça colle. Allez, que je regarde ça. Belle action. Ah, oui. Non? Ouais, mais non. Un coup de canon. Bon, par contre, toi, tu dégages. Tu l'as du premier coup, quoi? Oh, bah oui, c'est ce qui s'appelle un balayage. Ah. Tu laisses quoi en défense, du coup, dans ta cité? Bah, ceux qui sont derrière, là. Ou un petit... Je pense que je vais peut-être... Ou chevalier, plutôt, parce qu'il sert pas à grand-chose dans les forêts. Ouais, ouais, c'est allé. Ouais. Mais ton canon, il faut qu'il pilonne le jaguar, là. Dans le foutu l'unité, allez, ça, c'est parti. Et Tex Coco, normalement, ils peuvent pas te bombarder parce qu'ils sont cachés par la montagne. Je pense qu'ils sont embêtés, j'ai un doute. Ah, ok. Alors, Londres. Eh ben, Londres, tu vas me faire le Louvre. C'est mis dessus. Ici, clac. Eh ben, ça se termine. Normalement, je peux attaquer. Clac au pan. C'est un peu plus de dégâts, mais ça marche. Et là, j'annexe la ville. Ah, et il y a ma vieille trirème qui est passée derrière, qui servait à rien. Ouais. Coucou, c'est... je suis la trirème. C'est dommage qu'on peut pas renommer. Ah, si, on peut. Je vais renommer. Je vais la renommer, la ville. Comment il va l'appeler? Et Britannia, c'est parti. J'aurais pu l'appeler Albion, hein, la perfide. Britannia, voilà. Bah, allez. Alors. Ouais. Oh, c'est cool, je suis content là. Bordel, depuis le temps qu'il veut jouer la claque. Enfin. Hop. Tiens, d'ailleurs, du coup, dans le Brésil, dans l'Amazonie, du coup, tu t'es établi. C'est sympa, ouais. Est-ce que j'achète de l'or? Je regardais quelque chose. Alors, du coup, la guerre. Faut rester concentré. Ah, je fais des folies, là. Je vais finir le tour, tu toi aussi, je pense que là, ça fait beaucoup. Oui, beaucoup, là, moi, je termine. Ouais, c'est pour nos amis. Il y a tout. Miaule, mon petit chat, miaule. J'arrive. Hop. Ah bon, mais on a pris combien de villes en un épisode, là? J'en ai rasé une, j'en ai pris une autre, et toi aussi, donc on leur a enlevé 3 villes. Et en France, j'en ai pris combien? Oh, j'ai pris Lyon, là. T'as pris 4 villes, hein. Oh là, c'est n'importe quoi. C'est cool, ça. Et je gagne tellement d'or, en plus. Oh, mais ça bombarde bien en forêt, hein. Ça nettoie. Au niveau du bonheur, j'ai hâte que mes colisées soient tous finis là. Et après, je passe au théâtre. Ah, ça, je te comprends. Ok, il met quand même longtemps à se passer le tour. Hein. Je me demande pourquoi. Hein. Je ramène toutes mes troupes de toute façon en Europe. On avait dit qu'on allait leur botter le cul. Voilà. Tu sais quoi, je te propose un truc. On redémarrera au prochain épisode, on finira notre tour. On aura des choses à faire. Qu'est-ce que t'en penses? On arrive sur une belle victoire. Ouais, on termine là-dessus. Hein. On a pris pas mal de trucs quand même. Pas mal. On verra à la prochaine session. Bah, c'est parfait, nice. Écoutez, les amis, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Merci de nous suivre jusqu'au bout, c'est sympa. Lâchez un commentaire, n'hésitez pas. Et nice. C'est un plaisir, à la prochaine. Ah bah, tout le temps. Allez, bonne soirée, nice. Salut tout le monde, ciao. Salut. Allez.
3, 4.